Les 27 et 28 avril prochains, à la salle de la Passerelle à Andilly, les curieux et les amateurs éclairés ou non de Full Contact et de Yosekan ne peuvent manquer le rendez-vous qui leur est proposé par le Boxing Club Andillais et l'école de Yosekan Budo Andillaise. On a l'honneur de recevoir deux légendes, qui est donc Dominique Valera et Maître Hiro Mochizuki, qui lui est un expert dans le Yosekan Budo. Donc j'ai mon collègue à côté qui pratique. Et donc c'est vrai que c'est vraiment une opportunité de recevoir deux légendes comme ça ici à Andilly. C'est des personnes qui parcourent le monde et qui ont une connaissance dans les arts martiaux qui est inégalable. Donc oui, ça va être un très très beau stage. Donc c'est une co-organisation entre deux clubs ? Oui, tout à fait. D'une part parce que nos deux experts, Dominique Valera et le maître Hiro Mochizuki, ont un passé commun. Ont déjà une renommée mondiale. Dominique, si je ne me trompe pas, c'est un ou le plus grand expert français sur européen et un des meilleurs au monde. C'est un précurseur, c'est lui qui a importé le full contact chez nous quand même, c'est pas rien. Et le karaté contact, c'est lui. Et le maître, Mochizuki, a non seulement importé le karaté en Europe, a été un des tout premiers à démontrer l'aïkido en Europe, c'est lui qui a cofondé la Fédération française de karaté de laquelle nous dépendons. Il a été en son temps en jury pour la ceinture noire de Dominique, tout à fait. Capitaine de l'équipe de France de karaté. Donc c'est vraiment des gens, deux sommités. Aujourd'hui, le maître est le plus gradé sur la Terre, c'est pas compliqué. Dominique est un combattant, on l'appelle le King, ça tout dit. Non seulement ils viennent en dit, mais l'histoire est belle parce que ce sont deux personnes qui se connaissent très bien, qui se pratiquent souvent. Et il y a un troisième larron qui sera de la foire, c'est Albert Rivas, qui est septième dan aujourd'hui, qui est le professeur de karaté de Dompierre, un des premiers élèves du maître, qui est très près full contact aussi. Ouais, que je connais très très bien. D'ailleurs. Donc oui, voilà, c'est une fête au sens large du terme. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces deux jours? Alors, vous pouvez m'expliquer un petit peu le programme? Oui, disons que... Alors le programme, c'est eux qui vont le concocter, mais il y aura bien sûr une partie Yosekan, une partie full. Donc ce qui est intéressant dans ce sport-là, c'est que chaque discipline va pouvoir mélanger et s'adapter à l'autre. C'est-à-dire prendre des cours de ceux du full contact vont aller au Yosekan de façon à... Même s'il y a des techniques qui sont similaires, mais après il y a des projections, il y a des saisies dans le Yosekan qu'on n'a pas dans le full contact. Donc tout ça, c'est un mélange, c'est un partage qui va être très très intéressant. Moi j'ai la chance de recevoir des collègues qui étaient en équipe de France avec moi et Dominique Valera qui était notre entraîneur, qui vont venir. J'ai Thierry Fanzoni qui était champion du monde. J'ai pas mal de personnes qui viennent à ce stage justement pour honorer ces deux légendes. Quoi. Retenez bien les dates, samedi 27 et dimanche 28 avril à la salle de la Passerelle, rue du Stade à Andilly. Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h et le dimanche de 10h à 12h.